Ah, c'est le gars comme ambulancier. César, confirmé. Accident de circulation, route de Chantilly où il y a le giratoire pour entrer sur l'autoroute comme il le confirme. César 61. Départ, tonne-échelle, fourgon, ambulance, grande puissance et 16h34 pour feu de ferme, chemin de la Combe d'Ornay 10 au Château des Bois, commune de Satigny. César, confirmé. Feu de ferme, chemin de la Combe d'Ornay 10 au Château des Bois, commune de Satigny. César 34. César 8. Il est 17h05 lorsque l'alerte est donnée à la centrale du SIS pour un feu de ferme dans la campagne genevoise sur la rive droite du canton. Le SIS, service d'incendie et de secours de la ville de Genève, compte au total 180 personnes. Il est constitué d'un corps de sapeurs-pompiers de 132 hommes qui est à disposition de la population genevoise et prêt à intervenir 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. La ville de Genève compte trois casernes. La caserne principale, appelée caserne 1, dans le quartier de Plainpalais, fonctionne 24 heures sur 24. Les casernes 2 et 3, dites secondaires, sont des casernes diurnes. La caserne 2, dans le quartier de la Servette, intervient sur la rive droite du canton. Pour la rive gauche, c'est la caserne 3, située dans le quartier des Eaux Vives, qui intervient. Pour ce sinistre, les premiers véhicules partent de la caserne 2. C'est dans le camion en tête du convoi, appelé la tonne, qu'à l'aide d'un plan du secteur, les hommes du feu guident le chauffeur. Ils organisent également l'infrastructure d'intervention en repérant les bouches à eau. C'est le caporal Testa qui transmet les informations aux autres véhicules. Vous avez un point dans l'entrée du complexe du Château des Bois. À l'entrée du complexe du Château des Bois. C'est une bouche, répondez. Chemin Château des Bois, est-ce que c'est juste? Non, pas le chemin, c'est le complexe du Château des Bois. C'est le complexe du Château des Bois. Il a la carte. Et on est avec la conscience. Compris.
les 20 60. Vu l'ampleur du sinistre, du renfort est immédiatement demandé à la CETA, centrale d'engagement et traitement des alarmes. César de César 16. César. Alors je vois un gros panache de fumée, il faudrait envoyer les renforts. Répondez. César compris, les renforts sont déjà partis de la caserne 1. Juste avant l'entrée de la ferme, Robert, il y a un peu de monde. C'est le vôtre, prenez-le, moi je fais la main de l'eau depuis le pinoir. Ah oui, mets-toi là. Mais on n'a pas les moyens d'équiper le poteau. On va monter. C'est pas un 2, hein, parce que c'est de la flotte. Bien compris. Il regarde à l'étage en dessous. Au total, ce sont 8 véhicules du SIS appuyés par le train d'eau de 25 000 litres de l'aéroport international de Genève et 35 hommes qui ont été mobilisés. Il leur a fallu 4 heures d'intervention et près de 2 km de tuyaux pour venir à bout du sinistre. C'est l'heure du rééquipement. On recharge, on fait l'inventaire, prêt pour la prochaine intervention. Franquino Ambulance, Buanderie Gaudy-Hubert, Courvoisier Coursier, Nicolas Vidéo, entretien du bâtiment Godina, extincteur Fariello, Bâche Hydri Tuyau, Pneubulaire Demière Bunion. Et attention, intervention
au conservatoire jardin botanique. Il y a bromure de méthyline. 7h du matin. Rassemblement dans le hall central. Le chef de section attribue à chacun les occupations dans la caserne pour les 24 heures. Il est vrai que nos braves hommes du feu ont la fâcheuse réputation d'être plutôt buveurs et ripailleurs. N'en croyez rien. C'est entre deux interventions qu'ils sont occupés aux tâches les plus diverses dans les différents ateliers de la caserne.
un nouvel Philippe. Oui. Puis tu fais sur rue des Charmiers, on prendra 1000 euros à partir. Sur le plan, c'est 17,71. C'est 1000 euros, ouais. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, tu prends 1000 euros. Fumeil, au premier étage, 21 rue des Confessions à Saint-Jean. T'as quel numéro ? 21, 21. Même l'étage, d'accord. On se sauve. C'est à peu près lui qui prend 2000 kilos dans un moment qu'il cherche. Non, non, il est bien. Vous vous rendez au 45 rue Plantamour, quartier Paqui, pour de la fumée qui s'échappe du toit. Nous sommes déjà intervenus ce matin. 16h13.
venir l'officier avec la caméra thermique aussi, non? Ouais, je crois. La tonne de brugeur. Sur la cuisine. Ouais, ouais, pour faire venir la caméra thermique pour faire pour contrôler le pont. Ouais, je connais ta sœur. Ouais, je t'écoute. Oh, chanteuse, je suis foyer parce que maintenant il n'y a plus que la vapeur qui sort. Ouais, on a ouvert le plafond et puis c'est plein de braise. Voilà, ouais, avec le plat, en angle. Ah ouais, c'est très chaud, ouais. Tout le tour là, hein, où tu tapes, c'est très chaud. Ouais. Tout ce que tu ouvres là, jusque là, pendant l'angle, c'est chaud. Ouais. Et puis tu peux même venir plus ici. Ouais. Ouais, où t'as la gaffe. Départ Tonnechel Fourgon, ambulance pour du feu à l'école d'ingénieurs rue de la Prairie 4. La centrale d'engagement et traitement des alarmes du SIS reçoit chaque année près de 8000 appels. Pour l'année 2000, 7106 ont abouti à une intervention et bien que chaque année le SIS effectue 1000 sorties supplémentaires, l'année 99 est très proche de l'année 2000 avec 7105 sorties. 99 aura été une année exceptionnelle due aux violents orages et à la tempête Lothar. Ce jour-là, la centrale du SIS a été submergée d'appels. 1036 en une seule journée.
les pompiers professionnels sont intervenus 257 fois en 4 jours, un record. Les pompiers volontaires de la ville et du canton sont intervenus 779 fois. Puis le passage à l'an 2000 a encore fait grimper les statistiques, avec 70 sorties pour la seule journée de la Saint-Sylvestre. Mais tu peux pas la prendre comme ça. Bonsoir. Ouais, qui doucement. Tiens, sympa qui a commencé à flamber. SIS intervient pour les sinistres les plus divers. Cela va des clés tombées dans la bouche d'égout ou dans la cage d'ascenseur, à l'incendie en passant par l'accident de circulation ou le chat perché sur un arbre. Et si l'on veut parler chiffres, pour l'année 2000, les hommes du feu sont intervenus 829 fois pour incendie, 1273 fois pour le sauvetage, 1124 fois pour des alarmes automatiques, 739 fois pour des ascenseurs en panne, 613 fois pour des inondations et en ce qui concerne les fumées suspectes, les matières dangereuses, les odeurs, la prévention et le sauvetage d'animaux, cela représente encore 3000 sorties. Pour une population à Genève de 400 000 habitants. C'est là. Non, la carpette est là, c'est étanche, mais la fumée, elle est partie partout. Puis là, les deux où, je sais pas. La carpette, elle est là. La carpette, elle est là. Il n'y a rien dans la carpette. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Pierrot, j'ai une tonne de Montpellier. Il n'y a pas besoin. Vous savez ce que c'est? Écoutez, on a plus de temps. On met un masque. Ça a dû couler des câbles. Ça a dû couler des câbles parce qu'on a pas. Ça va mal de fumée. Ça doit être en bas. Dans le canal, ils sont projectés en haut. Alors, plus de renseignements dans 5 ou 10 minutes. Terminé. Faut voir les câbles électriques qui se trouvent, qu'est-ce qu'il y a des passages, des deux ah, faut regarder. Non, mais ça doit être quelque chose comme ça, les gens. Attends, peut-être pas trop, non. Mais c'est bizarre parce qu'on a plus de téléphone. C'est un téléphone. Apparemment, mais il faudrait quand même regarder parce que comme ils ont plus de téléphone, ouais, c'est quand même un peu bizarre. Si ça brûlait, ça ferait de la fumée là-bas. Bon, juste pour... Vous avez vu là. Ouais. Le problème concernant ce produit, c'est qu'en fait, c'est un des rares produits pour lesquels on ne peut pas utiliser notre matériel.
Nos soldats du feu doivent toujours être prêts à affronter toutes sortes de dangers, ce qui demande une instruction et un entraînement permanent dû à l'évolution des technologies et des nouveaux matériaux. Formation et instruction qui, à l'heure actuelle, sont considérablement diminuées vu le manque d'effectifs et le nombre croissant des interventions. Essayons, voilà, je l'ai. Grand prêt. Essayons, je sais pas si on pourra prendre un numéro 2. Excusez-moi, je n'ai pas eu besoin de tout ça. C'est ma faute, je n'ai pas du tout. Il n'y a pas de soucis, on est là pour vous. C'était une bête, une souris ou quelque chose. Et puis, quand je suis allée pour voir, il y avait la fumée. Ouais, écoute, Claire, te fais venir le service électrique ici pour contrôler, c'est une prise qui est défectueuse. C'est la 14, j'ai compris, ça va aider. On va regarder si elle est fusible par là. Mais oui, je ne sais pas exactement, ils sont déjà allés couper l'électricité. Ça fait un vieil odeur de brûlé, rue de Coutances, numéro 5, quartier Saint-Gervais. Il faut vous présenter auprès de la maison Gras. Ah, ouais, c'est le tissu. C'est où c'est? C'est au milieu. C'est le tissu, Gras. C'est angle avec la rue Grenue. Ouais. Il y a une odeur de casserole, ça vient pas de chez vous? Oui, mais c'est pas... C'est chez vous, mais c'est fini? Oui, c'est fini. Alors attendez, j'avertis juste, il n'y a pas de problème. Non. Béril, Voltaire, on l'a trouvé. Compris, j'arrive. C'est au deuxième étage. Parce que ça sent, ça inquiète les gens. Ouais, c'est du pain qui a un problème. C'est pas grave. Au moins, on sait d'où ça vient. Parce que vous voyez, s'il n'y avait personne... On pourrait croire qu'il y a quelqu'un qui a eu un malaise. Ouais. Ok, alors c'est bon. Il y a qu'un seul magasin, répond. C'est tout grand, merci.
Départ ambulance, transport de blessés suite accident, rue de Bâle, angle, rue du Prieur et Paqui. Ouais, compris, je t'envoie tout le monde. Voilà la lance, elle est là. Elle va lâcher. La tonne de tabouret. Parlez sous-sol. C'est chez vous, là. À la côte, dans l'appartement, il n'y a pas de fumée, il n'y a rien. C'est des squats, là. Ouais. On va voir. Parce que ça sent la fumée. Ouais, ouais. Les bombes, mais rien d'autre. Allez, on va,
tu as pas le droit de te faire. Ouais, ouais. Mais c'est quoi? Mais bon, c'est ton truc au bravo. Partonne pour un petit garage extérieur qui brûle rue de Moilbeau 42 Moilbeau. C'est vers la boulangerie. Il y a la boulangerie. César 16 de César. Un poteau en face de la route. Attention, en arrivant sur place, il y a probablement des produits chimiques à l'extérieur du garage. Il y en a un qui a kiffé un appareil, si jamais. On fait péter la pompe. Yamo, tu dis qu'on équipe, hein. Tu renseignes qu'on équipe. Un rodage. Il faut juste aérer. Allez, on va arrêter. La marque de Wolf.
Je t'écoute, Roland. Tu me fais quand même équiper une lance en préservation. Compris. On essaie déjà de faire un extincteur. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon, c'est parti! Là, je redescends. Voilà, c'est bon. C'est bon. César 8. Bon, alors il y a un enfant qui n'a pas l'air trop touché. Les ambulanciers s'en occupent, ils ont fait nécessaire vis-à-vis du pédiatre, s'il le faut ou pas. Ou que la maman, elle est peut-être un peu plus touchée, ça n'a pas l'air trop trop grave, mais les ambulanciers s'en occupent. J'attends la confirmation des ambulanciers. Jérôme, à droite, Piton. D'accord. Prévost Martin, gauche, rue Frère Jérôme. Et à droite, rue des Pitons. Regarde, là, c'est fermé, là. C'est au-dessus. Il y a le camion, après le camion. Il y a de l'air. Tiens. Tu fais monter l'homme qui a l'appareil qui siffle. Plancher là, ouais. Plancher. Ouais, plancher, c'est bien.